Le Labyrinthe, les acteurs de la saga ont bien grandi. Découvrez leur casting. Alors que vient de sortir dans nos salles, le troisième et dernier opus de la saga Le Labyrinthe, en octobre 2014, sortait le premier volet réalisé par Oboul, Ingegam. En tête d'affiche, de jeunes acteurs dont certains n'étaient pas si inconnus à la sortie du film. Près de deux ans plus tôt, Denis Chamian dirigeait le casting de ce futur succès du box-office. Et les images de ses auditions ont été dévoilées. On peut constater que notre petite troupe a bien grandi, à commencer par Dylan O'Brien. L'interprète de Thomas venait de commencer à jouer pour Théon-Wolf, lorsqu'il a auditionné pour le rôle du héros. Je rentrais du boulot quand j'ai passé les essais, j'avais une coupe en brosse, une tonne de gel. J'étais ridicule, se souvient l'intéressé, devenu une véritable star depuis. Keyes Codario fut aussi une évidence. On l'avait croisé dans Le Chemin des Titans et Léo de Hurlevent, mais c'est surtout outre-Atlantique, avec la série Skin, qu'elle avait pu rejoindre Hollywood. J'étais sûr de m'être planté. En sortant, j'ai dû pleurer et je me suis fait un MCDO pour me consoler, raconte la jolie Britannique. Enfant star avec les succès de Love Actually et Nanim Pfeh, Thomas Brody Sangster s'est offert son premier blockbuster avec Le Labyrinthe. Et lui aussi fut une évidence. Super essai, il dégageait un vrai magnétisme, dit de lui Oboul. Dans cette vidéo, vous allez également découvrir les premières images de Dexter Dardan, alias Pripan, et de Kayombi, Minot.